Coucou les filles, en ce matin gris et hivernal à l'approche du mois de février, j'aimerais vous présenter 4 crèmes pour les mains, 4 prix, 4 packaging à découvrir sur le blog Les Petits Papiers d'Olivia. Alors on va commencer par la crème main biface qui est à 2,29€ pour 150 ml. Packaging très simple, hop, on l'applique sur le doigt pour aller nourrir cette petite maman, ces petites cuticule, j'adore ce mot cuticule, voilà, donc objectivement, super bon petit parfum, elle pénètre facilement et ce que j'aime c'est qu'on n'a pas la peau qui colle, c'est-à-dire qu'on a les papiers qui s'accrochent aux mains. Ensuite nous allons tester la crème Body Shop qui est elle à 12€. Pour 100 ml. Alors, la crème Body Shop a une petite particularité qu'il faut souligner. La première, c'est que c'est une série limitée. Donc, si vous l'achetez, vous allez participer à favoriser l'environnement, les animaux, la nature. Donc, 1,50€ est reversé à l'association. Et ensuite, vous avez de l'huile de feuilles de cannabis qui a des vertus extraordinaires pour les peaux très sèches, abîmées ou ayant des problèmes d'eczéma. Alors, la texture, vous voyez, beaucoup plus épaisse. On dirait une pâte de dentifrice. Ce n'est pas donc pour se laver les dents, mais pour s'hydrater les mains. Alors, à appliquer, c'est marrant parce qu'on voit tout de suite, on dirait le côté médecin médicinal. Un petit film blanc qui persiste. Effectivement, on sent bien le cannabis. Mais je ne pense pas que ça va vous shooter. Elle hydrate bien, elle remplit ses fonctions. Alors, elle pénètre un peu plus difficilement. Et voilà, après, c'est une question de goût au niveau du parfum. Alors, fermeture classique. Voilà. Ensuite, nous allons tester la crème Ioma qui est à 15,90€ pour 40 ml. Alors là, on est dans un produit très cosmétique. Avec le système de pompe, voilà, deux applications, fonction de vos besoins et de la partie à hydrater. Alors, un parfum très très délicat, on va dire vraiment on est dans la cosmétique pure. Elle hydrate bien, elle pénètre bien également. Et pareil, elle ne laisse pas de film gras sur la peau, donc elle remplit bien ses fonctions. Pour finir, nous allons tester la fameuse crème pour les mains Elisabeth Arden qui est à 23,90€ pour 75 ml. Alors là, on retrouve le packaging facile pour le dosage également. On va hydrater la dernière partie de ma peau qui n'a pas encore été. Et on retrouve le parfum d'Elisabeth Arden hein, comme son stick à lèvres 8 heures. Un petit peu à base de camphre. Et c'est vraiment, alors, facile à appliquer, facile à pénétrer, mais je dirais que ça colle un tout petit peu trop à mon goût. Alors, 4 crèmes, 4 possibilités, 4 prix. Je vous dirais, voilà, mon cœur va vers Biface à 2,29€ pour 150 ml. En tout point, je la trouve, voilà, un rapport qualité-prix extraordinaire. Et elle remplit bien ses fonctions pour hydrater les mains et les cuticules. Merci mesdames, bonne journée.